Bonjour, je vous présente les ingrédients auxquels je vais faire, je vais faire les brochettes au sorbet. Refaire des brochettes. Voilà. C'est pas le problème, les marinades. Alors, j'ai fait les marinades abricot sec et j'ai mis deux oranges, l'huile, sauce au chili, et puis gingembre. J'ai pressé le citron. Voilà, il y a les quatre épices, et coriandre en poudre aussi, sel, les poivres, un kip bouillon, je vous ai dit vinaigre, une cuillère à soupe de vinaigre, et sucre, une cuillère à café. Je vais donner ça, plus l'ail que j'ai coupé, j'ai rajouté dedans. Et j'ai fait couper aussi des tomates avec le poivre rouge, et que j'ai acheté aussi, le veau là, que j'ai coupé en petits morceaux, voilà, je l'ai lavé aussi. Pouvoir commencer. On va commencer. On se met un mélange avec les tomates. On va ça. On les mettra dessus. Alors, on poursuit la recette. On a décidé de faire un délire recette à la maison pour les pipis ou pas. Voilà. Alors là, on a fait une brochette. Voilà. Les enfants ont commencé avec des tomates, comme je vous ai dit. Et là, je les ai marinés, j'ai sorti. Et voilà, j'ai laissé des heures. Il est en train de faire. On a rajouté aussi des champignons. Voilà, comme ça. Maintenant, Jay, tu rajoutes le champignon. À chaque fois, au même couleur. Ok. Attends, ça va. Tu les rajoutes à dedans. Mets dedans. Mais je mets dedans. Ah, okay. T'as un champignon? J'ai rajouté un champignon. Ah, mais là, Arémon? Arémon? Je vais laver. Arémon? Viens faire ton pochette. Viens faire ton pochette. Ça, qui ça? Ça, c'est Dada. Ça, c'est Dada? Ça, oui, ça, sinon, c'est à moi. Dada n'a pas fini, ça, Dada? La pochette. Ah non, c'est à Dada, le nom, il est ici. Bon, alors, vous les mettez. Ah, il y a des champignons en même temps. Attends, parce que en fait, je mets sur celui-là. Donne-moi une autre assiette et vous les mettez dedans, dessus. Moi, c'est fini. Donne-moi une assiette. Ah, dans les trois. Mademoiselle, on va chercher une autre assiette et comme ça, vous les préparez et quand ils sont prêts, vous les mettez dessus. D'accord. Voilà. C'est bon. On les met. Allez, bon, pardon. Attends. Je les mettez pas dessus. Quand ils sont prêts, on les met dessus. Ici. Voilà. On va tout rincer. Il faut bien le mettre au milieu, hein, d'accord? Voilà. Tu prends pas de tomates et le reste? J'aime pas les légumes. Tu mets comme même un peu de tomates dessus? Je n'aime pas les tomates à l'huile. D'accord, pas de tomates. Tu mets pas l'excès de la tomate là. Dada, quand il y aura fini, tu finis le tien, d'accord? Attention. Allez, vas-y, vas-y. La mine, elle est où? Elle n'est pas encore finie. Allez! Ici. Juste ça. Ça démonte, t'en mets beaucoup. Mais ça suffit là! Là, encore. Tu vas goûter? Dada, il n'y a rien à manger, d'accord? Si tu veux manger, tu prends le truc là-bas. Oui? Pas maintenant. Tant qu'on n'est pas fait cuire, tu peux pas. Alors, c'est pas fini? Comment? C'est pas fini? Il y en a d'autres à faire de plus. Mm-hmm. Oh, bah, je ne vais pas sortir de l'auberge. Vous rajoutez une banane dessus, ou je sais pas moi. C'est bien avec les fruits. Une brochette de fruits? Non, ça suffit. C'est très bien. Tu mets pas de tomates? Non, non, c'est bon. Oui, mais je mets de tomates sur ce truc à lui. Ok, voilà. Ademo, c'est pas fini. Tu vas pas nous aider à abandonner. Bah oui, mais il faut pas faire seulement que le tien. Hein. Allez, vas-y, c'est bon. Ils ont tous parfait. Ça connaît bien. Ça te paraît trop bien. Vas-y, dis-moi. Il y a ces taches. Vas-y, mets un rajout de celle-là. Faut juste décaler. J'ai très décalé. Vas-y, à côté. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est bon. On les laisse là. C'est bon. Tu sais, t'as pas fini, t'as pas fini. Il faut que je vous t'avoue.
recette. Après, tu vas le faire. Tu vas le faire. On va faire ça. Alors, là, les problèmes qu'on vient de le faire. Ça touche pas. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you.